Messieurs, surtout croyez ce que vous voyez, ne croyez pas ce que vous entendez, parce que c'est bien moi, mais ce n'est pas ma voix. J'étais chez moi, je donnais de la voix, quand tout à coup, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois? Ma voix qui s'en va. Alors moi, je m'en vais pour la rattraper, je lui dis, écoute, reviens, reviens. Je me retrouve avec cette voix-là. Alors vous imaginez mon effroi, parce que un corps comme moi, avec une voix comme ça, c'est une révolution. Une révolution, ou tout du moins, un changement de régime. Chut. Remarquez ma voix. Je sais qu'elle reviendra. Elle est par là, à l'octave du dessus. Mais il y a plus grand. Il y a plus grand que cette voix-là. Une fois, je me suis retrouvé avec une voix de breton. Une grosse voix blonde. Blanche sur le devant et noire à l'intérieur. Alors moi, quand j'ai vu immigrer cette voix-là, j'ai dit non. Il ne passera pas par moi. Non, parce que une voix. Qu'est-ce qu'une voix? Vous prenez n'importe quel dictionnaire. Tenez, je suis là pour la faire. Vous prenez n'importe quel dictionnaire, vous l'ouvrez. Au hasard, à la page V. Alors là, qu'est-ce que je vois? Voix, corde vocale. Corde vocale. Qu'est-ce que je vois? Qui subit les transformations? Qu'est-ce que je vois? Voix en transformation. Écoutez, ça peut durer longtemps, ça. Prenons un raccourci. Transformation. Transformation, transmutation. Transmutation, caméléon. Caméléon. Voilà. Voyons, caméléon. Petite bête. Petite bête. Petite bête qui se transforme selon son environnement. Ça a l'air bizarre comme ça. Mais en fait, c'est très pratique et ça démontre une faculté exceptionnelle d'adaptation. Et due aux conditions de l'existence qui comme chacun sait... Papa. Maman. Ma voix. Oh non, ça recommence. Mesdames, messieurs, vous le savez, imitateur, ça n'est pas un don. C'est une maladie.